Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la série La ferme de l'étang. Eh oui, un peu de retard en ce moment. En tout cas, merci pour les retours sur les derniers journaux de la chaîne du Valaisan pour la saison. On se retrouvera bien sûr peut-être fin août, on verra, pour d'autres présentations. Moi, aujourd'hui, je vais finir. Alors, je vais vous montrer. Hein. Ici, ça produit. Hein, je suis toujours au truc viticole. Ici, ben, tous les résidus des deux trucs de fabrique du vin, ben, je les mets là parce que ici, ben, c'est le compost. Hein. Je mets tous les résidus avec. Je suis venu avec mon petit fent. Et aujourd'hui, ben, il reste juste cette période. Période. Parcelle. La parcelle là, période. Alors ici, j'ai pas encore commencé à tailler parce que vu qu'il y a encore un moment, on est au mois de septembre, le quatrième jour, peut-être au mois d'octobre, je pourrais commencer parce qu'il y a du boulot hein, à tailler tout ça. Mais par contre, ici, on va remonter un peu la valeur du pH et de l'azote. Alors je sais pas, pour l'instant, on va mettre pour remonter le pH. Et on va prendre le petit tractor avec l'engin ici. Et peut-être qu'en fin de vidéo, si on a le temps, je suis en train de remonter l'azote aussi sur ma prairie avec du compost. Voilà. Allez. Alors, ici, vous avez le temps, hein, vous taillez la vigne. Mais pour le moment, je ne peux pas. Et j'utilise. Ici pour mettre de l'engrais et un peu retourner la terre. Hop. Alors j'ai, hop, j'ai pas de poids à l'avant. Il faudra vraiment que j'y pense. Quoique si j'ai des poids à l'avant. Oui, j'ai des poids. Par contre, j'ai vu une vidéo d'un ami allemand. Il passe avec. L'épandeur à compost. Alors l'épandeur à compost, attendez, on va y aller pour vous montrer ça, tout ça, les amis. Voyez que j'étais en train de charger. Ici, ben, je l'ai transformé. Il suffit parce que quand vous l'achetez, soit vous mettez du fumier, soit du compost. Il passe avec ça, mais je pense que ça va être compliqué. Vous voyez que j'ai bien entamé. Le tas de compost, je voudrais bien un peu le vider pour commencer après qu'il soit vide pour en remettre. Bon, avec les résidus que je vais avoir là. Voilà. On a des produits à vendre encore du jardin. On verra tout ça dans un prochain épisode. En tout cas, moi je suis content. Celui-là, Obermann, là. Hop. Hop. On va baisser un peu, hop, voilà. Et ça se verre tranquillou. Regardez, on remonte l'engrais. Alors peut-être qu'il faudra que je mette de la chaux. Je ne sais pas encore, on verra. Et si je veux pas venir, parce que comme je l'ai dit, l'épandeur à fumier et compost, il passe entre les vignes, mais ça va être compliqué de manœuvrer au bout des rangs. Alors peut-être qu'on mettra du fumier. Pour l'instant, j'en ai pas assez, mais on verra ça. Au niveau des informations de la ferme de l'ours, oui, je vous avais promis que je revenais avec la ferme de l'ours, mais finalement, ben, on verra. On verra. Il y a tellement de monde. Vous avez pu, en tout cas, merci à vous. Au niveau des retours du journal, de la présentation de la Mat Castelnau de MA7. Et il y a tellement de monde qui va sur cette map. Moi, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que je ferai peut-être un petit sondage pour savoir si je pars là-dessus pour m'exiler de la ferme de l'ours. Je ne sais pas encore. C'est vrai qu'elle est bien. Moi, comme je vous en ai parlé dans la dernière présentation, que je salue bien sûr mon petit JC des Fracassés et bien sûr toute la team des Fracassés, je les salue. C'est vrai que y a une map italienne qui va peut-être bientôt. Bon, malheureusement, il m'a pas répondu. Quoi, s'il m'a répondu, il m'a demandé de voir ma chaîne et de mode. Une nouvelle map italienne qui a l'air pas mal.
Malheureusement, pour l'instant, il ne m'a pas répondu, comme je l'avais dit dans le journal. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être que je ferai un petit sondage. Est-ce qu'on s'exile la ferme de l'ours au niveau de Castelnau? Je ne sais pas encore. La map, j'ai préparé un peu les modes, tout. Et il faudra voir. Il faut la voir. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? On est pas mal, hein, regardez. On est en train de remonter le pH. Ah, j'adore, hein. Et on voit que les arbres, on voit qu'on arrive sur l'automne, les arbres commencent à changer de couleur. On va peut-être se mettre un petit peu en vue intérieure. Alors, l'outil ici de Eurospan est très bien, moi je trouve. Alors, j'ai une petite épandeur à fumier, mais imaginez où, on verra. Peut-être pendant l'hiver avec les productions, les vaches, tout ça, on n'aura pas simplement de fumier qu'on viendra peut-être faire un petit tas ici. On verra. Hop, petit peu de vue intérieure, il va très bien le tracteur là. Hop, on va se mettre comme ça. Alors, petite info, il y a mon petit Franchou là qui a refait une map du reste. Qui a mon gros draguy qui j'ai vu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quoi, même aujourd'hui, je crois, qu'il a présenté la map. C'est pas mal. Il faudra peut-être que je la présenterai. Je sais que Draguy a dit que. Elle serait bientôt elle en essai sur le Modob. Nous les amis, on va finir ça tranquillou là. Regardez comme c'est beau ça. Hein? On verra l'année prochaine si l'année suivante on aura un peu plus au niveau de du raisin. J'en ai eu quand même passablement. Il y aura tout cet hiver à faire le vin. Et tout est quanti, tranquillou, comme il dit mon petit Terrible. Hein. Il dit papoudé, il dit toujours tranquillou. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de retrouver. J'ai un peu plus de temps maintenant. Mais c'est vrai que la ferme de l'ours, je l'aime bien. Mais je sais qu'il y a la V2 qui va sortir. Et s'il faut tout recommencer, alors je ne sais pas. On verra. Dites-le-moi dans les commentaires, est-ce qu'on s'exile en France du côté du Périgord ou pas? Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme vous le savez, Papa Valaisan, il regarde des maps allemandes beaucoup aussi. Arrête-toi. Ce serait pas mal, il y a une map aussi qui est allemande qui va sortir. J'ai pas encore vu beaucoup de vidéos, mais elle a l'air pas mal. Oups, allez, un petit coup de. Oh, je ne sais même pas si ça fait vraiment quelque chose. Hein. Normalement, oui. Et je sais que normalement, si on appuie là. Alors, vous le trouvez sur le Modob, hein, le Rospan, là. Et pour les vignes, c'est super génial. Bon, j'espère que j'aurai assez de fertilisant pour. Mais bon, après, comme je l'ai dit, un peu de fumier ou pas. Mais bon, quand je regarde en haut, j'ai l'impression qu'il met pas beaucoup. J'espère le prochain épisode, je pense que. On ira chercher du lait au pâturage. Tant qu'il fait beau, quoique ça vient nuageux. On va laisser les vaches là-bas. J'ai des génisses et des veaux aussi là. On verra pour mettre les veaux. Les cochons vont bien, les lapins vont bien, les poupoules aussi avec les canards, les poussins. Les petits minous, ils vont aussi bien. Donc. Ça va bien, super bien.
Et je voulais faire ça avec vous il y a un moment que je préparais la vidéo. C'est clair qu'il faut avancer, j'avais pas beaucoup de temps. Donc je me suis dit aujourd'hui, mercredi, la vidéo sort, tranquillou, nouvel épisode de la ferme de l'étang. Et ça me donne l'occasion justement de vous parler justement de peut-être ce petit changement au niveau de la ferme de l'ours. Ici, il faudrait presque passer un peu les broussailleurs, je ne sais pas quoi, à voile, à voile. Donc après, on verra si on va finir de mettre, d'épandre le compost sur la prairie pour que l'herbe pousse vachement bien. Et où on regarde un peu où on en est avec le vin. Je sais qu'il faudra l'amener pour faire du vin. Mais normalement, c'est dans le. Faut voir. Il faudra voir ça parce qu'il faudra la citerne. Peut-être les finances sont pas très hautes, 12 000 euros, mais on a de la vente encore à faire. Surtout la farine. La farine, mais bon, ça rapporte pas énormément. Ça rapporte pas énormément, on verra ça. Dans le prochain épisode, on fera peut-être un petit compte rendu. Hop. Bah là, ça va bien. Ça va bien, je vais avoir assez pour finir. Ça, peut-être on le rangera parce que je ne sais pas si j'aurai besoin encore de fertilisant. Peut-être la prochaine fois. Bon, c'est con hein, parce que il n'y a que un épandeur pour le compost. Je ne sais pas si mon petit vin s'il pourrait me transformer le mode que j'ai, le petit épandeur, et puis qu'il soit adapté au comment ça, au compost. Ça, à toi de voir, me le dire, mon petit Vince. Voilà. Alors pour la rentrée, il y aura peut-être une surprise. Un nouveau membre dans la Farming Family. Faut que j'en discute encore. Mais ça fait un moment que j'y pense. Il faudra voir la chose. Faut que j'en discute avec mes petits. Mais j'ai très très envie. On verra. Après, c'est tout le monde qui prenne la décision. Hop, ça va peut-être donner un petit coup ici. Alors normalement, ça prend que vers le pied de la vigne. Hop. On est pas mal, hein. On est pas mal. Ça va être du boulot, hein. Je vous raconte pas quand il faudra tailler toute la vigne là. Tout le vignoble, ça va être du boulot. Bon, ça va, la machine que j'ai, elle fait deux rangs en même temps. Voilà, allez. Normalement, comme je disais, non, c'est pas ça. Voilà, on va piller ça. Et puis, ah, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Ok, voilà, il est pillé avec la souris. On va juste regarder, je regarde le temps, oui, on aura le temps. On va regarder un peu ce qui se passe au niveau de la fabrication du vin, s'il fermente bien. Si j'ai une petite remorque là. Hop. Hop, on va laisser, on va décrocher. Un petit coup en avant, on va couper le moteur et on va aller juste voir où on en est. Alors normalement là-bas, normalement je dis, ah ça tourne encore. Ah oui, il y a encore 3123 litres. Nettoyer, on a ça, il y a des déchets. Et au niveau, oups, du raisin lavé. Ici, le pressoir, il tourne bien. 3500 jus de raisin. Ah oui, ça commence à monter. Hein. Marre. Ouais, bien sûr, c'est les résidus que je viens chercher avec le godet ici. Et ici, normalement, on a
Qu'est-ce qu'il dit? Du jus de raisin, du raisin fermenté. Donc on vient ici, ok, et normalement, bah, il faudra aller à la mise en... non, à, bah, à la fermentation. Alors, normalement ici, je sais plus si c'est ici, normalement. Voilà, c'est ici, normalement, qu'on vient mettre le jus de raisin pour faire le vin rouge. Et après, il faudra le mettre en bouteille, mais on n'en est pas là. Alors, est-ce que c'est ici pour verser? Stock vide. Où c'est qu'il est le trigger? C'est là, non? Bon, là, on peut pas ouvrir. Je sais pas, parce que il faudra bien venir mettre. Et puis. Jus de raisin, puis ça fait du vin. Et celui qui est fermenté, on met où? Alors, je sais pas, faudra, on verra ça, les amis, de venir ici, reculer, je ne sais pas encore. Nous, on va sauter, hop, pas dans celui-là, pas dans celui-là. Ici, bon, normalement, hop, on va faire comme ça. On va relever ça, et normalement, en plus, je suis plein. Ouais, eh bah ben, écoutez. C'est nickel. On va aller mettre en haut de ça. Et on va aller finir de dépendre ce compost sur la prairie. Bon, je sais pas, je pense pas que je vais pouvoir refaucher encore une fois. Mais on a de la réserve. Ah, j'adore toujours ce bruit de ce fendt. On se quittera là, les amis, après qu'on ait vidé une fois. Normalement, je vais pouvoir en avoir assez. On ne sait pas. Oups. Allez. Eh ben. On est le soir. Là. Non, on est l'après-midi. Il y a autant de monde que ça. Mais en tout cas, cette série me plaît toujours. On n'a pas fini, hein. Mais je voudrais bien revenir sur la ferme de l'ours. Dites-le-moi dans les commentaires déjà et je ferai peut-être un petit sondage. Si on s'exile dans France, Papa Valaisan en France, ou on reste comme je suis. Voilà. Faudra peut-être que je prévoie parce qu'il faudra qu'on monte. Hein. Rappelez-vous, peut-être dans l'autre épisode, peut-être mes poissons fumés seront prêts. Comme ça, on pourra les vendre. Faut que je remonte un petit peu les finances pour passer l'hiver. Eh oui. Eh oui, les amis, il faudra bien passer l'hiver. Hop, on va tourner là. Bon, je sais pas où j'en étais. Alors, est-ce qu'on part dans l'autre sens? Partir là, hein. On va partir là, je pense. Voyez que le pH est. Oh, est-ce qu'il se voit? Ouais. Hop. Normalement, c'est parti. Ouais, je pense que je vais bien vider le silo. Mais le pH, l'azote, je dis le pH, l'azote n'est pas si haut que ça, hein. Il faudra bien que je regarde la chose. Peut-être qu'il faudra une deuxième fois. Alors, normalement, je ne vais pas en avoir assez pour faire deux fois. Hein. Ça, c'est clair. On va reprendre là-haut. Mais c'est vrai que je suis pas des puits terribles avec au niveau de l'azote. Bah, après, il va y avoir du lisier. On essayera. Hein. Mais bon. Autant profiter de ce compost. Jolie prairie, hein, Simon. On voit bien le changement des couleurs des arbres qu'on voit quand on arrive sur l'automne. Alors, pour changer, comme je l'ai dit, hein, c'est tapandeur. Ah!
Mais arrête, t'es pas sur la bonne route, toi. Je vais repartir là-bas. Hein. Je suis en train de repasser au même endroit. Il faut aller au magasin et le modifier. Alors après, à l'atelier, c'est la même chose. Vous le modifiez en tant que de fumier ou de compost. Là, on va faire bien les choses quand même. Peut-être pas vu, j'étais en vue intérieure, j'ai pas vu. C'est vrai que là on voit pas les plus terribles. Si normalement là je vois bien la ligne, ouais, quoique. Ah, c'est ici que je me suis gouré. Mais c'est vrai que je vous montrerai peut-être en fin de vidéo le petit mode là quoi, qui est assez. On peut mettre du fumier dedans. Mais ouais, si mon petit Vint il arrive à me modifier qu'on peut mettre du compost. Parce que c'est vrai que ça fait large. Hein. Il faut quand même de la puissance pour tirer un épandeur comme ça. Et dans les vignes, alors ça passe. Hein. Je vous dis, j'ai vu la vidéo, ça passait. Quoi. Ça passait. Et, hein, comme dans papa, comme dans maman. Mais je suis étonné. Il y a des endroits là, comme vous pouvez voir, on est en vert sur la carte, et d'autres endroits, bah, l'azote, c'est bien fait. Hein. Le terrain, on voit que. Alors, je sais pas si je l'avais analysé, faudra le voir. Mais je vais finir de faire le vin. Bah, oui, il faudra bien du vin hein, pour Papa Valaisan, pour tout l'hiver. Il faudra bien du vin. Pas hiberné hein, quand même. Ça c'est dans la ferme de l'ours, la série, hein, qu'on hiberne. Hop. Ah, j'en aurai pas assez, je vais pas finir. Je finirai de mon côté, les amis. Et je suis content hein, parce que ça me manquait des activités comme ça. C'est vrai que vous avez pas beaucoup montré. Ah, je montre souvent des fabrications, mais. Je me suis dit, mais peut-être qu'il faudra un petit coup de chaud. Bon, pas pour moi, hein, le coup de chaud, mais peut-être un petit coup de chaud sur la prairie aussi, ici. Alors, je sais pas, est-ce que le compost est différent? Peut-être moins d'apport, je sais pas, dites-le-moi dans les commentaires pour ceux qui savent. Mais c'est vrai que là, il y aura peut-être un passage à faire avant la neige. On verra ça. On va finir là, je pense que je vais être à sec, on va rentrer à la ferme remplir, hein, parce que de toute façon, j'en ai assez. Hein. Allez, je vais partir là, je vais vider. Voilà, ça va être fini. Allez, on va fermer ça, on va mettre les gyros, on peut couper ça. Je m'attends en vue intérieure. On va se quitter là, les amis. Moi, je vais repartir à la ferme chargée. Ah, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce Fent, j'adore le bruit. Il va me suivre dans mes séries, je pense. On va laisser passer la BM, là. Bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. C'est pas fini. Hein. Le vignoble n'est pas encore loin. Mais vu qu'il est encore, je pense qu'avec... comment ça? Le précision, il est encore en récolte, c'est peut-être pour ça qu'on peut pas tailler tout de suite, mais ça va venir. Et écoutez les amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine vu qu'on est au milieu de semaine. Moi je vous dis à très vite, on se retrouvera samedi. Je vous rappelle que pour l'instant ben, la saison est finie pour les journaux du Valaisan. On se retrouvera je pense à la rentrée fin début septembre, comme ça j'aurai le temps un peu de voir les choses. Il y aura de nouveau peut-être pour l'automne, la fin de l'été quoi, au mois de septembre, des présentations de chaînes, je ne sais pas encore. Et bah, je compte sur vous, je ferai peut-être en fin de semaine peut-être un sondage pour voir pour la ferme de l'ours comme j'en ai parlé. Et autrement, ben hein,
Moi, je vais vous dire une bonne fin de semaine à vous. On se retrouve, bien sûr, normalement samedi ou vendredi, je ne sais pas encore. Et on fera la suite là, je ne sais pas encore. Il faut que j'avance un peu sur la partie. J'ai pas eu beaucoup de temps. Et ça me réjouit de continuer sur cette série, La Ferme de l'Étang. Allez, moi, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage, hein, en tout cas. Et bien sûr, je fais la bisou à tous mes petits de la Farming Family. Et à très vite et tout de bon, les amis.